Je suis très heureux d'être ici et sur ce projet avec toi. Et avant tout, je voudrais remercier le club, le président, Louis, le directeur sportif. Nous sommes ici, bien sûr, pour gagner. Et pour ça, nous avons besoin de travailler beaucoup sur l'avenir. Nous allons, comme dit, expliquer le président, principe d'exigence, de discipline, de communication, de qu'est-ce que nous allons faire chaque jour, chaque semaine, chaque match, pour arriver à les objectifs que le président a parlé et que Louise a parlé, et aussi sur les projets de maximiser les actifs de formation de l'équipe aussi, bien sûr. Nous voulons que chaque joueur comprenne exactement qu'est-ce qu'on veut pour l'émission individuelle et collective pour le joueur. Quand une équipe fait 4 ans, 3 ans, 2 fois Ligue 1, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très bien pour faire ça. Très, très bien. Après, pour moi, sur le foot, souvent, sont les petits détails pour faire la différence. C'est les petits détails. Regarde, combien de points a manqué à 3 pour rester à Ligue 1? 1, 2, c'est un détail, c'est un corner, c'est un coup franc. On ne parle pas de 10 points, c'est pas 15 points, c'est 20 points. C'est un point, c'est un détail. On prend attention à ces détails. Vous allez les régler, ces détails? Vous allez les régler, ces détails? Je suis très attentif à les détails. Je suis très très attentif à l'état. Je travaille 12 heures pour son club, je reste jusqu'à la fin. Souvent je suis le premier et le dernier. Je ne sais pas ici si vous arrivez avant moi, mais je suis souvent le premier et le dernier à partir. Je suis très très attentif à l'état. Je suis très humain. Je veux savoir tout sur les joueurs, tout sur le club, sur toutes les personnes qui travaillent sur le club, sur les personnes qui travaillent sur le terrain. Je veux savoir tout, Gérard Denier, je veux savoir tout. Avec lui, j'avais créé un profil. C'est avec un profil de coach que l'on souhaitait dans ce club. Et quand j'ai rencontré Rui pour la première fois, on n'a pas eu beaucoup à se parler, mais il collait tout à fait aux attentes et au profil que moi j'avais souhaité pour ce club. Donc ça s'est fait très rapidement. On a vu, honnêtement, il a été très vite en tête de liste. Voilà. Et on s'est rencontrés et ça s'est très très vite finalisé. Donc, ça c'est pour dire que le dossier a été fait sur un profil bien précis et que Rui faisait partie de ces profils et nous l'a confirmé dès notre première rencontre. Mon souhait, que j'ai mis au président, donc c'était d'avoir un profil comme Rui. Donc le cahier des charges a été bien établi par le président et j'ai essayé de respecter au maximum le cahier des charges du président. Voilà. Donc comme elle a dit, avec quelqu'un qui a des valeurs, qui nous correspondent surtout. Et puis footballistiquement, quelqu'un aussi qui va changer dans la continuité. Voilà. Pour reprendre un petit peu le terme du président, on fait du changement dans la continuité. Donc ce qui se fait au club depuis des années, et pas que depuis 2 ans, depuis déjà quelques années au club. Donc voilà pourquoi le profil de Rui, c'est automatiquement dégagé. Et je confirme, ça s'est fait très rapidement. Donc maintenant qu'on a Rui, on va pouvoir débloquer certains dossiers et commencer à travailler sur l'effectif. Sur le pulse, comme j'appelle. Donc c'est un pulse qu'il faut constituer et de façon cohérente. Voilà. Je crois que c'est le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de rester cohérent dans tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va mettre en place.